Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoé, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter prend le pouls du secteur de la croisière en Polynésie et dans le monde en général. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Bud Gilroy, agent maritime à Papeete et président du Tahiti Cruise Club. À suivre donc une conversation avec Bud. Bud, Yarana? Yarana, merci de prendre un peu de ton temps pour venir parler à nos auditeurs de Pacific Hoé. Alors pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Alors je suis Bud Gilroy, je suis de Tahiti, je suis président du club de la croisière qui regroupe tous les professionnels de la croisière, c'est-à-dire les sociétés qui travaillent dans la croisière, les compagnies de croisière locales, également les acteurs institutionnels comme les communes, la Tahiti Nui, la CCISM. Différentes personnes qui travaillent autour du secteur. D'accord, c'est une forme de Tahiti tourisme spécifique croisière alors, on peut dire? Oui, c'est comme un cluster de professionnels du secteur, comme l'aéroport par exemple également. C'est très varié, il y a 23 différents mondes. D'accord, ok. Alors, comme tout le monde sait, bien sûr, le Fénois est donc en confinement à nouveau, deuxième fois en 2 ans, après toutes les autres restrictions, couvre-feu, fermeture des frontières qu'on a pu connaître. Alors, après près de 2 ans dans cette pandémie, quel est l'état du secteur de la croisière au Fénois? On a été le premier secteur touché en mars 2020. C'est la croisière qu'on a arrêtée en premier de tous les secteurs. Un secteur qui était en plein boom, en pleine saison. Ça va faire 17 mois maintenant qu'on n'a pas eu un bateau de croisière international. La croisière locale a repris assez rapidement avec les mesures qui étaient mises en place. Donc, on appelle ça des croisières en tête de ligne. Pour les non rodés, ça veut dire qu'il y a un passager qui arrive par avion, qui embarque sur le paquebot, fait une croisière dans nos eaux, débarque à Papeete et repart par avion. Donc, c'est la croisière en tête de ligne. Je vous donne un état rapide. Avant cette crise, la croisière, c'était 16 milliards de revenus. 25% du revenu touristique de la Polynésie. C'est également 20% des gens qui arrivaient par avion également. Donc c'est un gros secteur qui nourrit beaucoup de familles parce que les bateaux qui vont dans les îles utilisent des prestataires locaux. Donc ça permet de desservir beaucoup de différentes îles plutôt que d'avoir tout qui se concentre sur quelques îles. Effectivement. Alors donc bien sûr, pour être clair, quand on parle de la croisière locale, ça va être la Ranui, ça va être le Paul Gauguin, ça va être ce genre de navire là, c'est ça? Tout à fait. Et avec le Wind Spirit, c'est les 3 bateaux qui tournent de manière régulière. D'accord, et qui sont basés localement. Et est-ce que cette croisière locale justement s'en sort mieux depuis la pseudo reprise qu'on a eue ou qu'on essaye d'avoir que les croisières internationales, parce qu'on n'a plus vu de grands paquebots de grande taille à Tahiti depuis longtemps? Alors, la croisière, en ce qui concerne différentes compagnies, Aranui, donc qui dessert les marquises, effectivement, a pu reprendre, mais parce qu'également, ils font du fret, même si c'est très, très difficile, parce qu'avec ce qui s'est passé en Europe, ça a ralenti tout le monde au niveau des voyages. Le Wind Spirit, c'est une clientèle essentiellement américaine, donc eux sont sortis de confinement, on va dire, de confinement américain, ont pu voir leur activité reprendre également. Le Paul Gauguin était censé reprendre et partir en carénage pendant cette période difficile. Donc, était prêt à redémarrer, devait redémarrer à la fin de ce mois-ci. Et là, tout est en suspens maintenant. Donc, un autre gros, gros coup dur pour la croisière en tête de ligne en Polynésie, effectivement. Oui, effectivement. Et à court terme, alors, aussi réaliste qu'on puisse être, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de visibilité, mais comment tu vois, toi, l'évolution de la situation, tant pour la croisière locale que pour le potentiel retour des plus gros paquebots internationaux? Alors, en termes de croisière locale, je pense que le plus vite que le confinement sera passé, le mieux ça sera pour nous, parce que le plus important est de donner de la visibilité aux touristes, de leur dire que c'est ouvert, qu'ils peuvent venir, parce que les gens, effectivement, bouclent longtemps en avance, donc on doit déjà annuler ceux qui auraient dû venir pour les reporter si on ne les a pas perdus, et ensuite pouvoir vendre les suivants. Donc, c'est important de donner de la perspective. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. On n'a pas de visibilité. On dit peut-être la semaine prochaine, on sera reconfiné 1 semaine, peut-être 2 semaines. On ne sait pas. Donc, c'est vraiment difficile à gérer au niveau touristique, au niveau des réservations. Et on a quand même des bateaux qui sont armés avec, sur certains, plus de 100 membres d'équipage, qui sont là quand même s'il n'y a pas de clients.
Donc là, c'est ça la plus grosse difficulté pour la croisière locale. Pour la croisière internationale, elle a déjà repris ailleurs dans le monde, donc en Grèce, en Amérique, partout, ça a commencé à reprendre après une année très, très, très difficile pour les grosses compagnies de croisière. Nos plannings sur 2022 sont chargés. Les plannings sur 2023 commencent déjà à se réserver. Alors pour donner un ordre d'idée, les croisières autour du monde, par exemple, sur des bateaux de 5 étoiles, se sont vendues en moins de 24 heures pour des bateaux de 700 passagers. Donc, Ah il y oui, a, quand même. ouais, il y a Dans des ce vrais. contexte-là. Dans ce contexte-là, ils sont en train de vendre à des rythmes records les croisières de 2023. Donc, c'est pour dire, les gens veulent voyager, les gens sont prêts à repartir en bateau. Donc, nous, on fonde beaucoup de notre espoir sur 2022 pour la croisière internationale. Hein. On a déjà des bateaux qui sont alignés pour 2 mois et demi de tête de ligne à partir de février l'année prochaine. Et bien sûr, Tahiti est une destination recherchée depuis le Covid, parce que c'est une destination, on va dire, qui n'est pas trop fréquentée, qui est encore accessible, et qui, voilà, les gens ont besoin de se retrouver, et je pense que nos îles répondent à ce format-là. Maintenant, il faut que tout soit prêt derrière, et c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire qu'il faut qu'avec les autorités, on ait un axe de travail où on sache, ben, si à tel moment on doit arrêter, on doit avancer, on doit prendre des mesures, et c'est sur ça que l'on travaille aujourd'hui avec les autorités. La difficulté de la croisière locale, c'est par exemple un exemple probant, c'est la Ranue a été demandée d'interrompre ses croisières aux Marquises, mais un touriste peut prendre l'avion et aller à l'hôtel aux Marquises et faire un séjour. Voilà un des dilemmes avec lesquels on doit traiter pendant cette crise, et c'est compliqué. Donc, et on espère avoir des réponses assez rapidement de la part du Haut-Commissariat pour vraiment faire survivre nos compagnies. Déjà en premier local qui tourne en tête de ligne. Il faut savoir que la tête de ligne, c'est vraiment recherché par tous les ports du monde, hein, et on est le quatrième plus gros port de tête de ligne français. Donc c'est Ah quand oui. même une grosse ressource. Ouais, effectivement. Donc, si je résume un peu la situation que tu nous décris là, vous avez encore la chance, j'allais dire, d'avoir de la visibilité en termes de réservation. Par contre, vous manquez cruellement de visibilité en termes de structure ou d'organisation administrative, institutionnelle, et ce qui rend les choses difficiles à organiser, c'est ça? Tout à fait. Là, par exemple, dans ce contexte-là, on a déjà prévu de partir au salon de la croisière internationale à la fin du mois de septembre, qui est le Seatrain, pour être présent, même s'il y aura moins d'acteurs, on veut être présent pour leur dire on est là, ça continue à tourner, on a réussi à faire tourner des bateaux pendant cette période difficile, en tête de ligne. Pourquoi c'est important? C'est parce que ces gens-là arrivent par avion, donc ont déjà passé tous les filtres demandés pour un touriste qui va à l'hôtel, hein, tout simplement. Donc vacciné et tout. Et en plus de ça, les bateaux de croisière ont des protocoles qui sont encore plus stricts, c'est-à-dire que la personne refait un test avant d'être à bord, il y a un hôpital à bord, ils sont suivis en matière de température. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine, on continue. Il faut savoir qu'en croisière, on est un des seuls secteurs où on peut vous dire ce qui va se passer les 2 prochaines années à venir, puisqu'on fait déjà les bookings de 2024. D'accord, effectivement. Alors, tu disais tout à l'heure, la croisière était la première à être impactée par la crise parce qu'il y avait cette image de boîte de pétri flottante, entre guillemets, qui était un peu vendue dans les médias. Alors, je voudrais prendre un peu de recul et sortir du contexte pandémique parce que finalement, la pandémie a souvent amené à poser des questions de fond sur certains secteurs économiques et la croisière n'a pas échappé à ça et fait souvent l'objet de nombreuses critiques. Donc face à ça et à la lumière de la situation actuelle, penses-tu que ce soit quand même encore un secteur qui est porteur à l'échelle internationale et qui, localement, pour notre économie, est toujours un secteur, j'allais dire, utile ou que sur lequel on peut encore se reposer avec toutes les attentes en matière d'environnement, etc., etc. Alors tout d'abord, bon, je pense que c'est le vecteur le plus important pour une reprise rapide. C'est avec lequel on pourra redémarrer notre tourisme le plus rapidement possible, puisque les moyens sont là. En ce qui concerne le débat, parce que ça, c'est vrai que ça, on a quand même été une cible facile en disant que c'était un vecteur qui portait le virus partout. Il faut savoir que la moyenne de nos bateaux ici en Polynésie, c'est 300 passagers. On a souvent stigmatisé les gros bateaux de 5 000 passagers. Et ça ne représente que 6% de nos escales en Polynésie française. Donc, ce n'est pas vraiment le nerf de la guerre de la croisière en Polynésie française. On a vraiment de petits bateaux. Et en plus de ça, les protocoles sont beaucoup plus stricts qu'un touriste hôtelier ou qu'un touriste qui arriverait par avion. Donc, c'est compliqué. On doit se battre contre cette image négative. Mais je pense que
C'est vraiment un vecteur important pour le développement économique local parce que, par exemple, un bateau, un touriste lambda qui viendrait pour un tourisme terrestre ne ferait que deux, trois îles. Nous, avec un touriste qui vient sur un bateau de croisière, il va pouvoir en faire sept. Dans d'autres bateaux, on vend 10 différentes destinations avec les bateaux qui peuvent faire et les Marquises et les Tuamotu. Et ça permet à tellement de monde de vivre derrière avec des prestataires qui font, que ce soit des prestataires qui vendent des 4x4, qui vendent du kayak, qui vendent du snorkeling, même également des guides qui montent à bord pour faire des présentations. Je pense que c'est un vrai vecteur de développement pour nos petites îles qui sont tellement éloignées et qui ont besoin d'être rapprochées. Et il faut avouer, on est entouré à 90% par de la mer. Donc, on est un territoire maritime à la base. Effectivement, mais peut-être du coup plutôt au niveau de la croisière tête de ligne que de la grande croisière internationale alors? Eh bien, la croisière internationale, c'est très, très périodique, hein. Il faut savoir que c'est pas à l'année. On se bat pour avoir des plus petits bateaux à l'année, comme du 50 pax, 50 mètres, 50 pax. Mais c'est difficile. Souvent, les autres lignes travaillent avec nous de janvier à avril parce qu'il y a la saison de l'Alaska qui s'ouvre en été. Donc aujourd'hui, le travail du Cruise Club, c'est de trouver une diversité de bateaux qui puissent rester toute l'année pour permettre une pérennisation de l'activité économique pour nos prestataires, en fait. La personne qui a investi dans un 4x4, elle n'a pas besoin d'acheter 10 4x4, elle sait que son 4x4 à lui va être loué tous les jours pendant une année entière. C'est ce qui lui permet de faire tourner l'activité. D'accord, donc c'est peut-être aussi plus facilement absorbable par dire, entre guillemets, l'écosystème, mais au sens large du terme, y incluant la partie économique au niveau local. Tout à fait. D'accord. Ok, bah écoute, Bud, merci beaucoup pour ces éclairages et bon courage au secteur de la croisière locale dans ces temps un peu houleux. Et merci beaucoup et un grand bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Merci. Comme le souligne très bien Bud au cours de notre conversation, la croisière n'est pas un secteur monolithique avec une seule approche du développement et de ses interactions avec les communautés locales. Et il semble qu'en l'état actuel du monde, la partie la plus pertinente pour nos îles soit celle qui est déjà en train de se développer localement depuis quelques années. Une croisière à échelle humaine, intégrant les modes de vie, habitudes et surtout les contraintes de l'économie et de la géographie locale. Il y a très certainement beaucoup à faire pour développer cette branche du secteur qui pourrait, à terme, être source d'innovation et d'opportunités pour un tourisme maritime respectueux de l'environnement et complètement immergé dans les traditions de navigation de nos îles. À suivre donc de très près une fois passée la crise. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventury.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.